Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez commencé à avoir le moral. Parce que moi, comme j'ai foi en Dieu, je sais que Didier Arafat commence à aller de mieux en mieux. C'est déjà les bonnes nouvelles qui nous parviennent. Et si je tenais à faire cette vidéo-là encore, c'est pour donner conseil à certaines personnes qui n'ont pas encore compris l'essentiel de la vie, qui n'ont pas encore compris les vraies relations entre nos artistes. Voilà, c'est pourquoi je fais cette vidéo-là. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous lire en intégralité le gros message qu'a envoyé Didier. Des Bordeaux plutôt à Didier Arafat par rapport à son accident parce qu'il a pris la nouvelle même à son réveil ce matin. Voilà, donc écoutez la vidéo, priez à la regarder et partagez-la pour donner conseil aux autres aussi. À tout à l'heure les amis. Il en fait pour nous, on le fera pour vous, car dans la vie mon présent c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? C'est progrès, progrès à la base. Je procède à des firmes. Donc bon retour les amis, bon retour les amis, soyez attentifs parce que je suis pas très bon en lecture, mais je vais vous lire, je vais essayer de vous lire un tant soit peu le gros message qu'a envoyé De Bordeaux à son frère et ami et collègue Didier Arafat pour son accident. Donc je commence la lecture parce que juste après la lecture, j'aurai un message encore à envoyer à certaines personnes. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo-là. Ne vous inquiétez pas, chers Chinois, ne vous inquiétez pas, chers admirateurs. Du coupé décalé de notre musique ivoirienne et surtout de Didier Arafat, parce qu'il va s'en remettre. C'est une certitude, il va s'en remettre. Voilà. Donc, je vous prie d'être attentif parce que je commence maintenant la lecture. Je ne vais pas vous regarder, je vais regarder l'écran de mon ordinateur. Ok, voici le message de Bordeaux à l'endroit de Didier Arafat. Je dirais que ce message, il est un peu ironique, mais très fort et plein de bons messages. Voilà, surtout de bon sens. Urgent, attention, message à Didier Arafat. C'est à mon réveil que je reçois cette mauvaise nouvelle. Toute la toile en pâle, loin des juments, des badjets, nos clashs, notre adversité. Au grand jamais, je souhaiterais ton mal, car nul n'est à l'abri d'un quelconque malheur. Il n'y a que Dieu seul qui contrôle tout. Je lui dis merci aussi pour sa main qu'il continue de poser sur ta vie, mais conseil d'un adversaire. On prend de l'âge. On a nos enfants, il est grand temps qu'on reste concentré sur l'objectif présent, rehausser l'image de la musique ivoirienne, précisément du coupé décalé, qu'on ait la force de se détacher de notre mauvaise compagnie, qui risque d'avoir des répercussions bizarres sur nos enfants, nos familles, sur ces fanatiques qui, nous adultes, soyons de bons exemples et non des exemples regrettables. Maintenant, s'il te plaît, range ta moto plus ton son moto, ironique, qui te met toujours dans la merde surtout. Les deux mêmes, faut les jeter, tiens. C'est un langage ivoirien. Lève-toi, reviens dans le jeu, dans le game. J'ai encore plein de sons pour te contrarier. Exemple, spécialité ivoirienne Fiankou. Sur ce, que Dieu. Veille surtout que Dieu veille surtout sur toi, qu'il ramène tous tes sens et vient faire danser ta Chine. Merci aussi à tous ces artistes qui ont apporté leur soutien. Prompt rétablissement aussi à cette dame qui a été touchée. Il y a qu'au moment, Dieu veille sur toi. Notez bien, les gars, les temps sont bizarres. Soyons sous la couverture. Du Dieu, lui seul peut nous gérer, seul Dieu me gère. Ciao. Voilà, voici un peu le message qu'a adressé De Bordeaux à son frère et ami Didier Arafat. Moi, je pense que même de cet accident-là, il devait avoir normalement un rapprochement entre les deux artistes, c'est-à-dire Didier Arafat et De Bordeaux, quels que soient les problèmes qu'il y a eu entre vous, quels que soient les problèmes qu'il y a eu entre vous, je pense que vous devez réaliser combien de fois. Vous tenez l'un à l'autre. Voilà. N'écoutez pas les mauvais conseillers qui vous demandent de rester sur votre fierté, de rester sur votre orgueil. Ça, c'est un conseil de frère. Je dirais même de petit frère. C'est un moment, certes triste, pour se rapprocher, mais je pense que c'est le meilleur moment. Parce que quand j'ai lu le poste de Debordo Likoufa, j'ai senti de l'amour dedans. Mais camouflé par un état sceptique, un état perplexe vis-à-vis de ce dernier, c'est-à-dire Didier Arafat. Et couvert par un sursaut, par un petit sursaut de fierté.
du genre je t'aime à la folie, dit Arafat. Mais je ne sais pas si me rapprocher de toi encore sera la meilleure façon de t'exprimer mon amour pour qu'on puisse marcher vraiment correct tous les deux. Mais là n'est pas le débat, mais c'est juste une petite licorne que j'ouvrais pour un peu attirer l'attention des deux artistes. Moi-même, à la place de toi, de Bordeaux, je vais me rendre dans la clinique ou bien dans l'hôpital où est interné, pour ne pas dire où est truc pris Didier Arafat pour ses soins, pour lui montrer mon amour. Même si après, s'il guérit, qu'il n'ait pas reconnaissance de ce petit geste-là, c'est pas grave, mais au moins Dieu a vu ton élan de solidarité, ta franchise. Voilà. Vous voyez? Ce moment triste-là aussi devait rapprocher ces deux groupes de fans. C'est vrai que ce sera difficile, c'est comme Tom et Jerry, mais l'amour entre Tom et Jerry, pour ceux qui ont bien regardé ce dessin animé-là, saute aux yeux. Voilà, un qui est malin et un qui est plus rusé. Voilà, bon, bref, ça c'est une parenthèse. Mais j'aimerais bien que on essaie d'enterrer un peu la rage de guerre après cet accident tragique. Qu'a vécu Didier Arafat. Dieu merci, il est en train de s'en sortir, mais le pire pouvait arriver. Il peut nous laisser regarder comme ça, en toute honte, sans pouvoir même ouvrir la bouche. Tout ce qu'on aura à faire, c'est pour dire, c'est lui-là qui a fait ça, c'est lui-là qui a provoqué ça, c'est cela, mais le concerné même n'est plus. Mais comme Dieu est Dieu, et dans son infinie bonté et sa miséricorde, il a préservé la vie de notre Didier Arafat. Et je lui dis infiniment merci. Pourquoi j'ai voulu réagir encore sur ce poste de Bordeaux? C'est pour dire aux fans de Didier Arafat et aux fans de Bordeaux, moi je parle toujours au regard de vos réactions, hein. Vos réactions généralement on les reconnaît soit sur vos posts, mais la plupart en commentaire, ceux qui jubilaient de cet accident de Didier Arafat, de Bordeaux est en train de vous dire que même si on est concurrent musicalement, c'est un être humain, j'ai de l'estime, j'ai de l'amour pur et vrai pour ce dernier-là, parce que j'ai partagé beaucoup de choses avec lui. C'est comme ça que vous devez comprendre les choses en fait. On fait nos vidéos, on parle, on fait nos trucs, mais tu peux pas, à moins que tu sois un sorcier, tu peux pas souhaiter le mal à ton ami. Non, à moins que tu sois un sorcier en fait. C'est-à-dire, pendant que vous êtes en train de jubiler pour l'accident de Didier Arafat, celui que vous soutenez, sort et lui apporte son soutien et en même temps lui donne des conseils. Il y a mille manières de montrer son amour à son ami comme ça. Il y a mille manières. Beaucoup ont fait les posts et je loue le poste de tous les artistes et toutes les personnalités là qui ont envoyé leur force à Didier Arafat. Mais je pense que le poste le plus profond, le poste le plus poignant, c'est celui de Bordeaux du Koufa. Parce que bien vrai qu'il apporte son soutien à Didier Arafat, mais en même temps, tellement qu'il tient à ce dernier-là, tellement qu'il tient à son ami, il lui porte des conseils, peut-être un peu durs dans choses, trucs, dans son poste, et souvent même ironique. C'est ça qu'on appelle, c'est un ami. Voilà, il vient pas simplement pour dire courage à toi, bonne guérison, puis ça s'arrête là. Il te dit courage à toi et puis il te dit prends conscience que tu es en train de prendre de l'âge, sors de ces fréquentations qui vont t'amener, qui vont te conduire au pire, et puis on parlera plus de toi. Tu es jeune, tu n'as même pas encore la quarantaine, tu n'as même pas encore 35 ans. C'est ça le message du truc de Bordeaux. Voilà, donc moi je vais encore faire des vidéos comme celle-là pour vous dire qu'on doit cesser de tester, de se détester pour rien. Voilà, on doit cesser ça. Parce que dès lors qu'on va cesser ça, je pense que notre musique va grimper rapidement. On a les talents pour ça. On a les hommes pour ça. C'est-à-dire moi, Eritor, vous, les fans de Bordeaux, vous, les fans de Didier Arafat et tout ça. Vous aussi, les fans de Didier Arafat, arrêtez d'accuser n'importe qui. Actuellement, ce n'est même pas le lieu de faire ça. Il faut soutenir l'artiste. Il faut créer même des choses pour que, à travers cet accident-là, l'artiste qui était en parallèle avec tous ceux qu'il appelle ennemis se réconcilie avec eux. Parce que tu es ennemi à eux, tu as eu un accident, tu les accuses. Mieux vaut être ami à eux. Je préfère. Là, au moins, on sait que tu manges à la même table avec ceux que tu appelles ennemis. Si quelque chose t'arrive, on pourra pointer du doigt. Mais là, déjà qu'ils sont tes ennemis, que vous n'êtes même pas en de bons termes, je vous l'ai dit, on n'accusera personne. Voilà, on dira simplement que c'est toi-même qui as créé ce chaos-là. Mais j'appelle encore à la réconciliation. Voilà. Continuons de prier pour notre Didier Arafat pour qu'il se remette très 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 rapidement de cet accident-là. Et j'apporte aussi mon yako à cette dame parce qu'il paraît qu'il y a une dame qui a été touchée dans cette collision-là. Yako au moment, et puis prends votre établissement à vous. Donc les amis, j'espère que vous avez bien compris mon message. C'est pas le bon moment parce que c'est un moment triste, mais je pense aussi que c'est le moment parfait pour vraiment enterrer la hache de guerre. Fan de Didier Arafat. Surtout aux extrémistes fans de Didier Arafat.
Arrêtez d'envenimer la situation avec vos commentaires, avec vos raisonnements à deux balles. S'il vous plaît. Écoutez un peu conseil, même si nous ne sommes pas vos parents, écoutez un peu conseil pour votre artiste et pour notre musique ivoirienne. Même ses ennemis lui ont apporté leur soutien. Je pense que vous n'avez rien à dire que de leur dire merci. Que ce soit hypocrite, que ce soit sincère, vous n'en savez rien. Vous avez bien écouté le poste des DJ de Bordeaux, mais des Bordeaux Likoufa, que j'ai lu tout à l'heure là. Ça doit vous parler. Vous devez méditer dessus. Voilà. Ne vous inquiétez pas, la fin des DJ Arafat, ce n'est pas pour maintenant. Ça ne sera pas pour maintenant. Et ça ne sera pas pour de sitôt. Voilà. Force à DJ Arafat, rétablis-toi très vite parce qu'on t'attend. On attend Kong. Voilà. Ciao, ciao les amis. Merci encore des Bordeaux.